La software intelligence, pour moi, c'est utiliser le logiciel pour apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise, faire en sorte que les métiers soient plus efficaces dans leurs activités quotidiennes. On utilise CAST depuis un peu plus d'un an. Nous avons analysé trois applications à ce jour. La plus importante est l'application des aides, qui consiste à apporter des financements à l'amélioration du milieu aquatique. C'est une application très ancienne et il était important de vérifier sa qualité pour décider de la stratégie adoptée sur cette application. Et bénéficiaires ou utilisateurs des résultats de CAST sont essentiellement les membres du board, les membres dirigeants, pour statuer sur les stratégies à apporter en matière de gestion du parc applicatif. L'impact de la software intelligence de CAST, c'était surtout de nous permettre d'avoir une vision claire de notre patrimoine applicatif. Puisque c'est très difficile sans des outils tels que celui-là d'avoir des éléments factuels sur notre parc et sur la qualité de nos logiciels. C'est un peu un impact indirect puisque nous avons décidé d'utiliser la solution sur demande du métier qui faisait pression justement pour passer à autre chose en termes d'application, et ça nous a permis de vérifier que finalement le métier avait raison et qu'il fallait retravailler la solution qu'on leur apportait. Le projet de remplacement de l'application, donc nous mesurerons les bénéfices dans un an ou deux lorsque la nouvelle application sera déployée avec plein de fonctionnalités supplémentaires et un niveau de qualité de service bien meilleur que l'application d'aujourd'hui. C'est un déploiement de solutions qui reste assez modeste puisque nous avons testé l'application sur trois applicatifs. Mais nous envisageons d'opérer un déploiement plus vaste puisque nous sommes dans une opération de convergence entre six systèmes d'information. Et puis, la solution CAST va nous permettre de choisir le best of breed des applications pour constituer le SI cible. Les métriques qui nous intéressent sont surtout la maintenabilité de l'application, puisque nous avons évidemment des applications pour lesquelles nous sous-traitons la maintenance, et la qualité de la maintenance de l'application est très importante, et c'est aussi un métrique qui nous permet de mesurer régulièrement la qualité de notre prestataire. Puisqu'il suffit de faire une mesure avant la modification et une mesure après la modification pour s'assurer que le prestataire n'a pas dégradé l'application, mais au contraire l'a améliorée. C'est surtout ce métrique qui nous intéresse.